Salut à tous. Donc là j'ai fait ce que je voulais faire. Donc j'ai renommé un perso Kappa. Alors je vais vous montrer comment faire. En fait, faut parier un élixir. Parier un élixir au Colisée. On obtient une rename card. Donc grâce à ça on peut renommer le perso, faut l'appeler Kappa. Donc je sais pas si en minuscule ça marche aussi, mais bon hein. On va dire que oui. Et ensuite faut lui mettre tous les objets de Kappa. Je vous dirai comment les récupérer. Donc les voilà. Donc armure lutin, titanium. Bon, ça hache, normalement c'était albarde du lutin ou un truc comme ça, mais ils ont traduit comme de la merde. Voilà. Et une fois qu'il a tout ça, donc vous voyez ses stats là, c'est de la merde, ok. Parce que c'est des objets de merde. Mais si on utilise lutin après, enfin on peut le faire avant ou après, hein, on s'en fout de là. Maintenant regarde-moi ses stats de tari. 255 attaque défense et défense magique assez haute aussi. Et voilà, et grâce à ça, on peut faire du gros dégât. Donc Bagmento, machin, ouais. Donc voilà, et je vous montre à quoi il ressemble hein, le. Je vous montrerai la puissance du Kappa. Donc les autres persos, je les ai déséquipés, mis à part Sabine, que j'ai équipé du bouclier maudit. J'ai fait quelques combats, hein. Enfin quelques, j'en ai fait au moins 100, hein. Et il en faut 255, donc c'est pas pour tout de suite. Donc vous allez voir à quel point sont forts les forts le Kappa. C'est pas sa force, hein, c'est surtout sa défense qui est incroyable, quoi. Donc vous voyez, déjà il fait assez mal. Donc toutes les attaques physiques lui font que 1. Donc il se prend que 1 point de dégâts, hein, quelle que soit l'attaque physique. Enfin, quel que soit le monstre qu'il attaque, quoi. Et les magies, voilà, bon, il a une bonne défense magique, quoi. Attends, vous allez voir ça s'il y en a un qui m'attaque. J'aimerais bien. Bon, là il esquive, hein, il nous fait chier. Et puis il a une bonne esquive aussi en plus. Donc il a une défense vraiment monstrueuse, quoi. Vous voyez, 0. Alors que lui ça lui fait 157 par exemple. Donc par contre, pour avoir un. Pour avoir la rename card, pour renommer. Un perso en Kappa, ça marche avec tous les persos, bien évidemment. Il faut avoir un élixir. Donc pour avoir un élixir, on peut les voler aux écureuils qui crèvent facilement, qui se trouvent sur l'île. Comment ça s'appelle? L'île là où il y a Cid. Donc là où on est arrivé, quoi. Donc maintenant, hop, d'ailleurs tout bien normal. Je lui enlève lutin. On va quand même essayer de le renommer. Hein. Donc pour ça, j'ai besoin de plusieurs trucs. J'ai besoin de clé de flamme. Ça tue un coup, donc ça fait chier. Donc on va lui mettre ça à la place. Voilà, relique. Je vais vous montrer un petit truc. Si on se met la bague de héros plus. Non, qu'est-ce que je fous la bague de héros? Botte de dragon plus la corne de dragon. Donc votre dragon il fait sauter, donc il disparaît de l'écran, donc on peut rien lui faire, et juste après bah, il retombe en fait. Et si en plus on a l'autre truc de dragon là, la corne de dragon, bah, il attaque deux fois en fait. Bon là il a fait de la merde. Hein. Donc vous voyez ce petit truc là, le cactro, qui s'appelle Pampa dans les versions françaises, enfin les vraies, parce que là c'est pas une vraie version. Ok, il a décidé de me faire chier. Donc ouais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous fait ce con? Saute, espèce de gros blaireau. T'es con ou quoi? Putain, mais t'as tard du mental, toi, merde. Putain de. C'est vraiment une grosse merde. Hein. Enfin, je vous dis pas combien de fois j'ai recommencé cette vidéo, au moins une centaine de fois, sérieux. Non, j'exagère, mais j'ai dû recommencer 5 fois, quoi. Fait que de la merde, Shadow.
Pourquoi il saute pas cette espèce de con? Oh là là. Et lui quand il a décidé de nous emmerder, il fait pas semblant putain. Je monte quoi là? Ouais voilà, vous pouvez voler les élixirs sur les écureuils, je vous dis. Après il suffit de parier un élixir. On a la carte. Ah bah pas trop tôt. Voilà, vous voyez ce que ça fait, hein. Sauter. Et si on a en plus la corne de dragon, en retombant, il attaque deux fois en fait. Voilà, une, deux. Donc lui il se prend que deux de toute façon. Et comme il peut tuer un coup, voilà, il a encore plus de chance. Et on a la carte renomme. Donc grâce à cette carte, on peut l'appeler capable, mais on peut aussi le refaire devenir comme avant. Hein. Parce que je vais pas l'appeler capable en tout le jeu non plus. Alors Shadow. C'est quoi ce délire? Et c'est maintenant que je m'en rends compte en plus. Quel boulet. Boulet. Pourquoi je mets chaud? Shadow. Voilà. Et voilà, j'ai remis Shadow. Et deuxième truc, donc on va enlever l'attaquant parce que ça tue un coup et là je veux battre un mort vivant en fait. Hein. Donc on va mettre ça. Ensuite, il fait une attaque qui tue un coup donc. On va lui mettre ça, voilà, ça empêche de se faire tuer un coup. Les chaussures. J'ai bien mis le bouclier de flamme, non. Voilà. Et on va parier Ragnarok. En espérant que ça marche. Donc bien sûr, je vous l'ai dit en description de cette vidéo, je vous mettrai comment avoir tous les objets du Kappa. Parce que je n'avais pas vous le montrer, ça aurait pris une vidéo entière et ça serait bien chiant quoi. Donc voilà, on voit même pas le nom de l'épée. De toute façon, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente qui était complètement loupée. Donc j'étais obligé de mettre en plus. Donc là, faut... Ah yes. Alors toutes les attaques de feu le soignent grâce au... au truc de feu là. Ça, je sais pas si c'est une attaque de feu, mais je pense pas. Il va crever quoi. J'espère que non. Si, c'était une attaque de feu. Donc là, vraiment, c'est une question de chance quoi. Si je me prends une attaque de feu là, par exemple, ça va me soigner, voilà. Putain, même, j'ai pas fait de sauvegarde rapide comme un coup. Donc ça, ça me tue un coup, mais là, ça marche pas. Grâce à Bug Memento. Bien. Donc le combat peut durer longtemps. Hein. Bon, ça me soignait. Ah bah il a plus de MP l'ennemi. Bon mais il est mort normalement. Là j'ai de la chance, il fait des bons sorts. Hein. Bon bah une fois qu'il a fait fuser, il a plus de MP quoi. Donc là une fois qu'il a plus de MP, on sort de gagner quoi. Et voilà. Donc là j'ai eu de la chance qu'il fasse des sorts. Et on obtient Illumina, qui est encore mieux que Ragnarok, vous allez voir. Donc, je vais d'abord vous le montrer. Ça faisait plus 7 à toutes les stats avant. Et maintenant, ça fait... Attention. Pareil, mais attaque 255 et esquive et parade plus 50%. Alors attention l'esquive avec ce truc. Donc lui je crois pas qu'il puisse la mettre. Hein. Non. Dommage parce que c'est déjà lui qui a la meilleure esquive donc. Donc vous voyez elle devrait avoir une... voilà. 50% d'esquive et 87% d'esquive magique. Donc voilà. Lui ouais c'est bon, je vais lui remettre ça. Je lui remets leur truc. Lui je lui remets ce truc. Ouais, ça faut le laisser. Et voilà, donc on a le... On a Illumina, une des meilleures épées du jeu. Donc chaussures... Je sais pas si je lui laisse ça, ouais. Son arme, ruban... Ouais, je vais laisser ça. Donc qu'est-ce que je vais mis dans la tritoche.
Ça, je vais donner à quelqu'un. Bon, je vais lui laisser ça. Donc voilà combat art Illumina. Une des meilleures épées de jeu avec... avec machin, je me rappelle plus du nom. Avec l'arme maintenant, voilà. Donc on va maintenant se faire des petites quêtes. On va tout d'abord aller se reposer. Bon, je crois qu'on a déjà vu un cauchemar de Shadow, hein. Donc ça sera fun qu'on puisse en voir un autre. Et je vais me reposer là. Bon, vidéo un peu mieux que la précédente, mais alors aussi pourri quand même. Sur la précédente, on pouvait pas faire pire. Bon, il a pas fait de cauchemar, hein, tant pis. Ah, j'essaye encore une fois au cas où il y en ferait un. C'est aléatoire, donc. En fait, je sais pas vraiment si c'est aléatoire. Bon, tant pis. Je sais pas si ça dépend des villes, faut le faire un cauchemar par ville ou une connerie comme ça. Mais... enfin bref. Attendez, je crois que j'ai fait une grosse connerie là. Parce que j'ai fait une sauvegarde rapide, parce que j'avais loupé ma vidéo précédente. J'avais qu'une sauvegarde rapide, je vais devoir la reprendre devant l'arène. Et en fait, je crois que j'avais montré un des cauchemars. Enfin, de toute façon, dans le cauchemar, on voyait rien. On voyait Shadow avec Baram, comme dans le premier, qui disait que voilà, il avait chopé $1 million. Et Baram, voilà. Enfin, Baram dit qu'ils ont chopé $1 million. Et là, t'as Clyde qui dit il faudrait que je me trouve un nouveau nom. Je vais m'appeler Shadow. Donc voilà, après on savait que c'était Shadow le gars. De toute façon, c'est pas le cauchemar le plus important. Hein. Et donc, quelle quête est-ce que je vais faire? Putain, je pourrais faire Bungaze. Il veut bien apparaître. Sinon il y a quoi comme caisse? Bon, il y a une avec Strago, donc on veut dire Strago avec nous. Il y a la tour des fanatiques que je vais pas faire tout de suite. Je sais pas trop quoi faire en fait. De toute façon je vais passer le plus cher parce que le truc du kappa hein, ça m'a saoulé. Hein. Bon, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire? La Bungaze, les dragons, bah voilà, je combats petit à petit. Hein. Je me demande qu'est-ce que j'ai pas fait encore. Bah allez, je vais faire la quête sous le sable. Enfin, je dis ça, mais j'en suis pas sûr. Hein. Je sais pas si je fais celle-là en premier ou... Bon, je vais tenter de vous montrer un autre rêve de Shadow. Donc, est-ce que faut que je trouve une ville où je me suis pas reposé. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, mais je crois en fait qu'il y a un cauchemar par ville. Bon, bien entendu, obligé d'avoir Shadow dans l'équipe. Hein. Voilà. Attendez, je vais juste voir un truc. Ouais, j'ai bien loupé Je vous ai loupé un cauchemar, hein, désolé. Donc je lui ai dit, il se passe rien dedans. Il dit juste qu'il s'appelle Shadow. Et après, on sait que c'est lui. Bon, j'essaie de pas louper les autres cauchemars quand même, ce sera assez con. Ce sera vraiment con. Il faut que j'arrête de faire des vidéos de merde quand même. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas passer, ok. Si on pourrait voir le troisième cauchemar, ce serait sympa. Mais non, ils sont pas décidés. Donc j'ai pas la moindre idée de comment débloquer, enfin comment voir tous les cauchemars. Est-ce qu'il faut en faire un par ville? Est-ce qu'il suffit de dormir et c'est complètement aléatoire quelle que soit la ville? J'en sais rien du tout. Bon, ils sont pas décidés. Bon, bah encore une vidéo de merde. Je le jure sur ma vie que je ferai plus jamais de vidéo de merde. Parce que là, j'ai la rage contre moi-même, c'est...
genre je me retiens parce que je suis épuisé à force de m'énerver quoi. Parce que toutes les vidéos que j'ai loupées, j'ai tout loupé comme une merde. Là ils veulent pas. C'est comme Doomguys, faut voler et il vient aléatoirement, il viendra jamais pour me péter les couilles. J'en ai marre. Donc je sais pas quel cas de faire en fait. J'en pense à une quête que je pourrais faire là, mais là c'est dur quand même. Enfin, elles sont toutes dures les quêtes, mais ouais, je vais faire ça quand même. Donc, vous avez vu l'espèce de, le truc qu'ils appelaient cactro là, le cactus? Bah c'est assez marrant parce que je me suis acheté une peluche comme ça, je vous jure, hein, je me suis acheté une peluche de ça. Donc bon, faudrait que j'arrive à trouver le château d'Edgar en fait, qui doit être quelque part dans le désert. Ah bah voilà, dans le désert. Merde, il veut pas se poser. Faut qu'il se pose là, ouais, ok. Il veut pas se poser dans les déserts. Une prochaine vidéo, une des quêtes annexes. Ce sera pas chiant comme là, hein, vous inquiétez pas. Donc juste pour juste vous montrer comment avoir la quête quand même. Donc en fait il faut voyager en château. En revenant là. Putain c'est où déjà? Je vais pas me perdre ici quand même. Je crois que c'est ça. Ouais c'est là. Là donc il faut faire comme d'habitude, on voyage en château. Sauf que là, il va en imprévu, vous allez voir. Normal, hein, on se glisse. De toute façon, toutes les quêtes annexes, c'est des secrets, hein, quasiment. Voilà. Je sais pas s'il faut passer par là ou... Donc voilà, s'arrêter d'explorer. Par où il faut passer après? Ah, ça doit être par le bas. Hein. Là on se retape les monstres de merde. Enfin bon, prochaine vidéo. Enfin des vraies vidéos, pas de la merde comme là. Putain, je suis vraiment désolé mais je pouvais pas les refaire de vidéo. Parce que j'avais fait une sauvegarde rapide au mauvais moment et je pouvais pas retourner en arrière, donc voilà. Donc ça c'est Illumina, hein. Vous voyez la taille du truc. C'est assez monstrueux. On a une défense et une défense magique de Barjo. Si en plus on prend le bouclier paladin, et en plus la cape Zephyr, je vous dis pas l'esquive qu'on a. On doit avoir genre 130% d'esquive, une connerie comme ça. C'est débile, mais... C'est pas ça qui va nous venir. Putain, les dégâts qu'on fait. En fait, je sais même pas s'il faut vraiment passer par là ou... Bon, ça me tarderait que ce soit par là qu'il faille passer, en fait. Enfin bon, de toute façon, je vous préviens, ça sert à rien de me dire à chaque fois dans les vidéos faut faire comme ça, faut faire comme ça. Bah parce que... Pourquoi? Bah parce qu'en fait, au moment où j'uploaderai cette vidéo, j'aurais déjà fini le jeu. Hein. Je croyais pas que je fais une vidéo et que je l'upload direct. Hein. Parce que là, je vous le dis, j'uploadais la vidéo 35 là. Donc vous voyez l'écart qui est entre les deux. Donc là, à l'instant où vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà fini le jeu. Je vais essayer de faire des vraies vidéos. Donc à la prochaine, et salut.